Alors, bonjour tout le monde. Je viens faire l'horoscope pour les poissons pour le mois de janvier 2022. Alors, pour les poissons, quel message avez-vous à nous donner pour les signes du poisson pour janvier 2022? Voilà. La situation va s'améliorer. D'accord? Donc, voilà, une amélioration pour les poissons. Maintenant, on va faire le petit tirage avec le tarot des anges. Alors, il y en a déjà une qui vole là. L'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Voilà. Donc, quelque chose de beau, hein, de mieux, d'accord? Voilà, qu'il faudra partager. D'accord? Réalisez surtout vos rêves. Vous voyez, la situation va s'améliorer, hein? Vos rêves vont pouvoir être mis à exécution. Voilà. Alors, on va continuer comme ça. On va changer un peu. Alors, s'il vous plaît, pour les poissons, on va voir si on a une deuxième. Pour les poissons, pour le mois de janvier 2022. Alors, on va aller la chercher. Voilà. Alors, ici, on a le 3 de feu. L'abondance, les choses semblent bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. D'accord? Donc, il y a l'abondance pour vous, mais il faut un petit peu de patience. D'accord? Tout va s'améliorer. Donc, c'est le principal. Alors, ensuite, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, ici, on a la carte de la sexualité. Donc, c'est les désirs, les plaisirs, d'accord? Ça peut être aussi les relations physiques, hein, les liaisons extra-conjugales. Mais là, on vous parle plutôt, moi, d'après les cartes que j'ai tirées avant, on dit plutôt que vous allez pouvoir vous faire plaisir, d'accord? Que vous allez pouvoir mettre vos désirs, hein, voilà, à exécution, que vos désirs vont voir le jour, d'accord? Voilà. Vous pourriez aussi faire de nouvelles rencontres, hein, bénéfiques pour vous. Alors, s'il vous plaît, pour les poissons, au mois de janvier 2022. Voilà. Alors, il y a la correspondance. Donc, vous aurez aussi des messages et des nouvelles par rapport à votre situation. D'accord? Voilà. Alors, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de janvier, ça va être une période de chance pour vous. Les poissons, vous aurez de la chance. Alors, il y a peut-être aussi l'héritage, donc une rentrée d'argent. D'accord? Et l'univers, donc un cadeau de l'univers. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment, ça c'est vraiment le mois de janvier pour vous, c'est surtout pécunier, d'accord? Donc il va y avoir une amélioration dans votre budget, hein, voilà, qui va, vous allez recevoir des nouvelles, voilà, des courriers peut-être, hein, voilà, une bonne nouvelle financièrement, qui va vous aider à pouvoir vous faire plaisir, d'accord? À réaliser vos rêves, vos désirs, vous faire plaisir. Alors, ça c'est fait. Maintenant, on va regarder avec alors, s'il vous plaît, Archange Raphaël, pour les poissons, pour le mois de janvier 2022. Que pouvez-vous nous donner, nous dire, nous donner comme message pour les signes du poisson pour ce mois de janvier? Archange Raphaël, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, on va aller les chercher. Hein, voilà, ça ira mieux. Alors, Archange Raphaël. Alors, on nous sort la carte de la charité.
avec la guérison. Vous voyez, c'est vraiment, ça va vraiment aller mieux. D'accord? Vous ne serez plus obligé de faire la charité. Il y a la guérison sur vos finances. Alors, Archange Uriel, s'il vous plaît, la créativité. Vous allez faire de nouvelles choses. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons, les vérités. Donc, vous allez aussi apprendre des choses. Et Archange Michael, s'il vous plaît, pour les signes du poisson, on a les révélations. Donc, vérité, révélation, d'accord? Voilà pour les signes du poisson. Donc, on va recouvrir vérité, s'il vous plaît, avec l'archange Gabriel. Voilà, les vérités vont vous apporter une transformation dans votre vie. Et s'il vous plaît, archange Raphaël, voilà, des révélations voilà, qui vont vous amener, vous voyez, l'abondance, la beauté, hein, de belles révélations, en tout cas, qui vont vous faire plaisir. OK? Voilà. Et vraiment, pour moi, les poissons, hein, c'est une rentrée d'argent, d'accord? Quelque chose qui va vous aider financièrement. Voilà, alors ça, c'est fait. Maintenant, on va demander aux anges gardiens. Alors, s'il vous plaît, les anges gardiens, que pouvez-vous nous dire pour les poissons pour le mois de janvier 2022, concernant les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, pour le mois de janvier 2022. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes, d'accord? Donc les heures miroirs, les plumes, ok? Faites bien attention à ça. Vous allez avoir des petits signes. Alors, on va demander au guide. Alors, s'il vous plaît, les guides pour les poissons concernant ce mois de janvier 2022. Voilà. Hop. Alors, on a le corps physique. Donc, allez vous ressourcer dans la nature. D'accord? Avec Gaïa. Les révélations. Donc, ça peut être aussi les révélations au fond de vous. D'accord? Vérité. Encore, donc être vous-même, d'accord, c'est ça en fait, hein? Révélation, vérité, restez vous-même, d'accord, allez vous ressourcer dans la nature, c'est très important, voilà, et c'est pour votre survie, d'accord, c'est pour améliorer les choses, voilà, ah ben oui, hein, je ne vais pas changer, hein? Je continue toujours avec, mais voilà, vous me connaissez maintenant, hein. Alors, les portes de l'intuition, voilà, pour les poissons, mois de janvier 2022. Alors, vous avez ici la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. D'accord? La survie. OK? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse à votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, on est exactement dans révélation et vérité, hein, qui est votre moi supérieur. OK? Donc, votre intuition, ne cherchez pas à faire aller votre mental, il va vous emmener dans un mauvais chemin. Et ici, vous avez la carte de l'action. Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. D'accord? Vous avez vu, hein, que si vous passez à l'action, eh bien,
vous allez avoir une amélioration. Voilà. Et n'oubliez pas que tout à l'heure, on a sorti la carte de la créativité. Donc, peut-être qu'il faut que vous mettiez des choses en place. Voilà. Voilà pour votre mois de janvier, les poissons. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle journée.